Les épées sont en bois, la mitraille, un tas de cailloux, et c'est tout. Les archers, trois par trois, en bataille, ont des arbalètes en bambou. Tous les derrières qui mordront la poussière, ah oui, apprendront qu'à la guerre, il faut savoir rester debout. Les archers sont au roi, mais la gloire à celui qui la gagnera. Napoléon, non, ça fait pas beaucoup, beaucoup plus long quand il était comme nous. Avant d'entendre le son du canon, il dut apprendre à donner du bâton. Nous on se bat pour la gloire, simplement, on se rencontre toujours au même endroit. Les épées sont brisées, la marmaille, maintenant retourne au foyer. Tablier déchiré en pagaille, il y aura des comptes à régler. Vainqueur comme vaincu, surtout les derrières nues, les mains de tous nos pères feront subir leur loi de fer. Car chez nous, c'est l'endroit où se portent nos plus belles décorations. Napoléon n'en portait pas autant que nous quand il était un enfant. Si la victoire n'appartient qu'aux parents, il faut y croire en attendant le temps de devenir à son tour un beau jour aussi bête que les grands en vieillissant. Un, deux, trois, au tambour, aux trompettes, quand on marchera pour de bon, on regrettera ce temps de fête où l'on se battait pour des boutons.